Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, votre fidèle serviteur Marcus Bonus est complètement malade. Il est bourré de médoc. En plus hier il a tourné pour la peau du cul. Tout simplement parce que mon micro n'avait pas enregistré. Du coup je me suis bourré de médoc pour vous faire une vidéo correcte quand même aujourd'hui. Donc j'en ai 5 à tourner malgré tout. Mais bon, on verra bien. On va partir, chers amis, sur les différentes choses à faire dans ces régions, chers amis. À commencer par, j'ai envie de me faire donc un campement, donc celui-ci à mon avis, et on va aller chercher des infos dessus. Hop. Et on va essayer de rester dans les cordes de 25 minutes, pas 30, pas 40 ou 45 minutes. Pour la simple et bonne raison que, chers amis, en ce moment, comme je tourne beaucoup, j'aimerais avoir quand même le temps de faire quelque chose en dehors, et les uploads sont quand même assez longs, pour 40 minutes de vidéo. Ce qui fait que j'ai peut-être percé le fameux mystère du pourquoi Fanta veut pas que Bob fasse des épisodes trop longs. Parce que comme ils jouent à deux tout le temps, j'imagine que l'upload doit complètement bousiller leur connexion. Tout simplement. Et donc s'ils ont du contenu à tourner et qu'ils s'alaguent, ils peuvent pas tourner. Voilà. Et boum. Ah mais il y a du monde. Oh. Oh mais t'es à moitié con toi. Hop les. Viens par là. Oh raté. Je l'ai raté. Viens par là. Boum. Bon. Ça c'est fait. Ensuite on a ce campement là. Alors je vous rappelle qu'on est toujours dans le côté de chez Jit. Hein. Donc même si l'histoire n'avance plus de ce côté là, c'est fait exprès. Pour la simple et bonne raison que... Il y a des choses à débloquer encore. Et j'aimerais les débloquer avant de... Voilà, merci. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, chers amis, en fait. Alors, où est-elle? Là-bas. On va essayer de te rouler dessus, ma pote. Ou mon pote. Hop. Tu veux me réparer la bagnole, s'il te plaît? Merci. Hello. Alors, dis-moi tout. We've seen you around, stranger. You the one they say sword up Lord Scrotus. Tout à fait. Bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder. Ouais, les tuyaux. Go down that hatch and it'll be buzzing with hostiles inside. But there are other ways inside. Less dangerous. For those with the eye. Intéressant. Alors, réservoir de tubes lance-flammes de chaque côté du camp. Butin à récupérer dans un conteneur. Ce coin est construit avec de gros tuyaux. Une zone secrète pleine de marchandises de valeur est accessible par une trappe dans le sol. On pense qu'il y a une entrée secrète pour infiltrer le camp. Ah, elle en dit beaucoup moins qu'avant. Hein. Bon, chers amis, je pense qu'on va utiliser la méthode classique de la brutalité. Et qu'on verra bien ensuite... On fera exactement. Alors, il y aurait une seconde entrée, beaucoup plus tranquille. Vu que j'ai pas envie de m'amuser avec les lance-flammes. Le camp est quand même en alerte, hein. D'ailleurs, je pense qu'il va passer en mode guerre d'ici très peu de temps. J'aimerais éviter que cela n'arrive. Appelez.
C'est fait. Apparemment, il en reste un autre. Là. Voilà. Problème résolu. Donc maintenant, il faudrait chercher l'entrée. Oh. Oh oh oh. Ce serait quand même pas ça. Ce serait tellement épique si c'est ça. Non, c'est pas ça. Dommage, j'y ai cru. Je vais vous avouer que j'y ai cru, chers amis. Bon. Vous savez quoi, on va faire le tour à pied. On trouvera peut-être. Là-dedans ? Non. Non, je pense pas. Même problème que tout à l'heure. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et si je montais directement sur le tube. Vous voyez ? Non. Access denied. Excusez-moi, je sais que ça. C'est casse-couille quand je fais ça. Oh, mais il y avait une porte là en fait. What? Mais j'ai rien fait. C'était quoi, une mini tornade? What? Mais what? Il s'est passé quoi? Bon, bah ça va être beaucoup moins difficile que prévu. C'est limite vexant. Faut le dire les gars si je suis inutile hein. Ah non, c'est... Oui, c'est carrément vexant là même hein. C'est pas limite, c'est que c'est carrément vexant. Pourquoi pas, bah écoutez. Bah si vous avez pas besoin de moi, faut le dire hein. Moi je repars dans ma grotte hein, ou sur la route. Je pique une bagnole ou deux, puis je pars avec hein. Y'a pas de problème hein. Tant que j'ai Dinky D dans le coffre. Bon, faut que j'ouvre le carreau, mais à part ça, ça va. C'est pas catastrophique non plus. Bon. Bah ils ont pas besoin de moi alors. Oh non, elle me dit pas que t'as mal à la patte hein. Oh putain, il va boiter. Oh non, Dodge. Fais une roulade. Ça va mieux. Ça va mieux. La roulade magique, chers amis. Bon. Alors la caverne d'Ali Baba est sous terre apparemment. Pensons-y. Emblème de scout. Mais qu'il est con. T'as du bol. Ouais. Alors, il boite? Non, il boite pas. Ah, c'est bien. Bon garçon. Ah oh, putain, elle était là à l'entrée. Nom de Dieu. Tu m'étonnes que je l'ai pas vu. Oula, de la ferraille. Hop. Là j'en viens. Là y'a rien. Là c'était pour le truc justement dont on parlait. Effectivement il y a du sous-sol là dans cette base. Ça c'est certain. Hop. Permettez les gars. Je m'occupe de ça. Parfait. On y roule. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je m'attendais pas vraiment à ce que le camp se fasse comme ça, chers amis, je dois l'avouer. Hop. Relique historique. Will, ne va pas à l'intérieur. Ils ont tué papa. Ils ont pris nos rations. Cours, Sandra. Nos réserves, ouais. Ah si, parce que normalement c'est Craterside Supplies dans Fallout, donc c'est les réserves. Alors. Une explosion ? Ça doit pouvoir se faire. T'aurais été sage ? Ok, c'est bon. C'est tout vert. Ou tout rouge, ça dépend. Je la referai pas.
Promis, je la referai pas. Oh oh, la fameuse cache sous terre. Voilà. Avant d'y aller, j'ai envie de finaliser cette, la partie supérieure. Malgré tout. Enfin, supérieure. Tout est relatif. Hein. Oh, de l'eau. Dommage que j'en ai pas besoin. Bon. Respectez mon autorité. Même si j'ai la voix qui part en couille. Brisé. J'ai pas encore compris l'utilité. Hut. 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 Oh. Boum. Boum. Et boum. Je prends la ferraille. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Juste de quoi faire péter le truc en fait. Là, il y a peut-être quelque chose, mais je crois que c'est, en fait c'est juste pour aller ailleurs. Ah merde! Hop! Alors. Ah, de la ferraille, j'ai bien fait. J'ai eu peur qu'ils se mettent à boiter. Alors. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Parce qu'il n'y a pas eu tant d'action que ça, du coup. Hein. Je dis tant d'action que ça, mais au final, il n'y en a pas eu du tout. Oh putain, je crois que c'était beaucoup plus haut que ça. Alors, loupiote. Ah, mais je me suis fait eu. 3. Non? Si? Si? Non? 8. 9. Il me manque quelque chose alors. Il me manque un endroit, vu qu'il me manque un emblème et une ferraille. T'as raison, fais ton bois. What? Quelque chose de suspendu là? Ah non, c'est juste ça. C'est pas intéressant. Ah! Non, j'en viens de là. Oui, j'en viens. Alors, si j'ai une cartouche, c'est que je dois avoir quelque chose dégommé, non? Ah, je suis tombé. Bon! Il nous manque un de chaque, chers amis. Putain, j'espère que c'est pour là-dessous. Chantal, là-dessous. Je la referai pas parce qu'en plus j'ai chié avec ma voix. Là, c'est l'entrée. Bien, tu boites pas. Oh non. Ah ouf. Je préfère ça. Alors, c'est par où? C'est par où, c'est par où, c'est par où? J'ai dû oublier un endroit tout con. Et du coup, je le paye. Info disponible dans le journal. Alors.
problème c'est que je vois pas où je suis. Des tuyaux. Réservoir les tuyaux. Rébutin récupéré dans un conteneur. Je crois que je sais c'est lequel alors. Ça expliquerait pourquoi il y a un petit chemin qui y va et qu'il n'y a rien dedans. Alors. Voyons voir si j'ai raison. Sauf si le contenant est à l'extérieur. Ce qui est possible aussi. Ah ah, le voilà. Hop. Ça c'est bon. Et j'ai pas l'emblème. Et j'ai pas l'emblème. Ah, ça me fait chier. Parce qu'au final, l'action sera passée très vite. Mais le reste... tranquillement, quoi. Tranquille, mimille, comme dirait l'autre. Le dernier emblème. What? Vous êtes pas dit que c'était à moitié con de faire ça? Allez, monte, Max. Quand même la briser. Ok. Alors. Là, il y a absolument rien. Là, et tout. Là-haut, j'ai déjà vérifié. Bah non! Mais j'ai déjà fait plusieurs fois et t'as rien eu. Et là, tu te prends des... Non seulement tu boites et en plus tu te prends des dégâts. Explique-moi. Explique-moi où est ta connerie dans cette histoire. Merci pour la ferraille. Par contre, je ne vois toujours pas le dernier emblème. J'ai dû passer à côté de foi, genre à côté de lui, genre 100 fois, j'imagine. Tout le monde me le gueule dans les commentaires. Mais 3 fois que tu passes à côté de lui. 3 d'écueil. Et moi, je vois rien. Oh, bah si, là, il y en a un gros, mais c'est pas un truc à casser. Là, peut-être. Je suis pas monté. Non. Même si normalement ils émettent une grosse lumière rouge, donc non, j'aurais dû le voir. C'est très bizarre. Très 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 bizarre. Appelé. Ah bah bouffe. C'est du Dinky D? Oh, j'aime le Dinky D. 800 grammes, waouh! Pratiquement 1 kilo de Dinky D. Et je viens de bousiller ma voix. Merci Rambo. Et puis maintenant j'ai l'impression de voir une lumière rouge partout.
Jeu de merde. C'était génial la façon dont je l'ai vu. Oh putain. C'était absolument génial. J'ai adoré. Je m'attendais pas à le trouver comme ça en fait, avec l'ombre. Et c'était vraiment bien fichu. J'espère que l'ombre elle est visible par tout le monde. Je veux dire, sur les versions console par exemple, j'espère que l'ombre on la voit correctement. Parce que le détail de l'ombre, c'est souvent quelque chose qui est assez, je vais dire, ramivore au niveau de votre mémoire vive. Donc bon. Peux-tu m'apporter ma voiture, s'il te plaît? Bring the car. Merci. Oh putain. I need the car. Bring me the car. Roule-moi dessus, ose. C'est bon. Alors, les autres ils se barrent, c'est dommage. On a Griffa, on a lui, on a deux courses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a deux champs de mine. Haha. Haha. On a deux champs de mine. Ou alors on va explorer ce truc-là. Je suis curieux d'aller voir ce que c'est que la palette de ferraille. Je l'avoue, je suis sur le chemin des deux trous du cul. Si on peut les rattraper, ce sera encore mieux. Et voilà, c'est encore mieux que les rattraper. Boum. Quoi, t'as pas fait demi-tour? Allez, tourne! Ah, il va s'enfuir! Non! Il est trop loin. Bam! Voilà, problème résolu. J'en ai vu un autre de problème, mais bon. On va faire comme s'il n'existait pas. Putain! Comme s'il n'existait pas! Putain! Comme s'il n'existait pas! Désolé, chers amis. Ça va se foutre de ma gueule dans les commentaires aussi, ça va être violent. Déteste être malade. Boum. Problème résolu. Combo. Bon. Tel un chevalier solitaire, Bob Dylan est le roi de la terre. Oh putain, je me sens vieux d'un coup. J'ai pas le temps de la finir, je suis désolé. J'ai pas le temps. Hop là, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais faire, j'ai pas réussi. Ici on a une palette de ferraille et trois de ferraille. Je voulais voir ce que c'était que la fameuse palette de ferraille. Hop, est-ce que je peux prendre la munition? Merci. Il y a un petit peu de bouffe, on va la prendre. Hop, et le pire c'est que j'ai 5 vidéos à tourner aujourd'hui, ça va être violent. Mais je pense que je vais aller me faire un thé entre deux. Et ça va me faire du bien à la gorge, un petit peu de liquide chaud. N'allez pas vous faire des idées, chers amis. Un petit Earl Grey le matin, c'est toujours très très bon. Oh putain, j'aime pas avoir la voix. Bon. Je disais donc, j'aime pas avoir la voix qui part en couille. C'était ric-rac là, hein. C'était juste histoire de faire genre. Ouh!
palette de ferraille. 54, c'est pas mal. Ce qui est marrant, c'est que la palette de ferraille, elle est deux fois plus grosse qu'une des fameuses trucs de tempête, mais elle en a quand même moins. Tel aventurier solitaire, Bob Dylan est le roi de la terre. Pom 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 pom. On va acheter ça. La jack construction terminée. Ah cool. Semblait que je l'avais déjà, mais bon. Construit. 4 pièces manquantes, 2 pièces manquantes, 5 pièces manquantes. On peut pas en construire d'autres pour le moment. Alors il va falloir qu'on en finisse rapidement avec JIT pour pouvoir aller faire les autres missions, le trou du cul. À tous les coups on va pas avoir d'essence. Si on en a, cool. Allez monte. Parfois quand on regarde la map on a l'impression que JIT il est là-bas en fait, il est pas extrêmement loin. Alors, les rafales. Par petite rafale. Alors. Et ben comme ça c'est cool, je n'y vois strictement rien. Camp de transfert. Putain, camp de transfert. Arrête, y'en a un là, je le vois. Jeu de merde. Sniper. Épouvantail solide. Là, il y a un campement, mais me le montre pas, c'est pas grave. Tel aventurier solitaire, Bob Mohan est le droit de la terre. Hop. Bon, c'est déjà pas trop mal. Ok. Je vérifie juste. Ah, il y en a un là. Vas-y, montre-le-moi. Merci. Je sais pas si je l'ai vu le convoi dans ce truc-là. Non, on descend. Bon. Ben, un épisode sans trop d'action, chers amis. Hein. Pour un jeu d'action en open world, c'est un peu naze. Oula, il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Hop là, c'est bon. Alors du coup, est-ce qu'on a quelque chose de sympathique dans le coin? Emblème. Ok. Ah, éclaireur, il est là. Éliminer la légion de scorbut, la cuirasse. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode, chers amis. On va se diriger vers là-bas. Hein. On va aller faire ce petit épouvantail. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est aller se faire les épouvantails et les snipers. Et après, on se dirige vers le truc pour le prochain épisode. C'est comme ça qu'on va faire. Tant pis, il va durer encore une chier de temps, je pense. Mais c'est pas grave. Quoique non, on est déjà à 30 minutes. Non, on va se laisser là, on va se laisser là pour, pour cet épisode, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Plume, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le lien du descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Une fois de plus, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. On voit des gens qui marchent dans le désert là-bas. Salut les gens!